Chers amis, un cordial salut à vous tous. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train de réfléchir sur ce thème, la fenêtre du salut. Aujourd'hui, nous allons attirer votre attention sur ce sujet, l'hospitalité. Revenons sur l'histoire de Rahab et les espions. Deux espions arrivaient à la maison d'une prostituée. Elle s'appelait Rahab. La question que l'on se posait est celle qui suit. Pourquoi sont-ils venus? Vous avez déjà une idée de cette réponse. Eh bien, c'est parce qu'ils se trouvaient dans la maison d'une prostituée. On informait au roi de Jéricho de la présence de ces étrangers. Vite, il envoyait des agents de sécurité chez Rahab en vue d'investiguer de la présence de ces deux espions. On rapportait au roi de Jéricho ce qui arrivait. Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Nous savons que Rahab protégeait les espions. La Bible nous rapporte en ces termes ce que Rahab a fait. Rahab les a fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit, selon Josué 2, verset 6. Au cours des élections présidentielles aux États-Unis, la sécurité des frontières a fait couler beaucoup d'encre, parce que les démocrates et les républicains ont des perspectives différentes sur les immigrants. Nous savons que l'administration Biden a ouvert la porte des États-Unis aux immigrants haïtiens, cubains, vénézuéliens et nicaraguayens, parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans ces pays. Et j'élabore un peu plus sur la conjoncture actuelle d'Haïti dans mon prochain livre titré « Haïti, le règne des gangs ». Mes chers amis, ces deux espions étaient des immigrants que Rahab a souhaité la plus cordiale bienvenue. Nombreux sont ceux qui éprouvent la peur en ce qui a trait à la déportation massive des immigrants au cours de la présidence de Donald Trump. Pour vous qui êtes chrétiens, j'aimerais bien partager avec vous deux portions scripturaires. Dans le psaume 24, le verset 1er à 2, nous lisons « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » Où que vous soyez, toujours dans le psaume 24, si vous avez les mains innocentes et le cœur pur, si vous ne livrez pas votre âme au mensonge, vous aurez la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu vivant. Si vous êtes un citoyen américain d'origine haïtienne, la parole de Dieu a dit dans Hébreux 13, le verset 1er à 2, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Que Dieu vous bénisse.